Bienvenue sur la chaîne d'AFTU Vidéo. Ici tu peux trouver tous les jeux dispo, du Tomb Raider en passant par Deadpool, Dying Light ainsi que ce vieux jeu doux. De multiples séries sont présentes ici. Fais comme chez toi, poste tes likes ici. Je le fais pour vous, puis c'est ma passion. Le recording toujours à fond, sans oublier le côté colis présentation. Être un heroes comme dans Caisse Dragoon. Plus de 400 vidéos sur ma chaîne gratuitement. Clique sur le bouton pour t'abonner maintenant. Bonjour à tous, c'est YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Dragon Quest Heroes 2. Donc c'est parti, pour ceux qui se souviennent bien, il devait avoir une fête pour célébrer la fin de la guerre. Et j'avais des suppositions sur le fait que le devin vienne nous attaquer, celui qui a entraîné cette guerre. Donc c'est parti, on va voir si toutes mes théories sont justes. Il va se passer un truc. La soirée s'est passée sans encombre, mais à mon avis, ça ne va pas tarder, ou sinon, on partira simplement demain matin à sa recherche. Il s'y fout dans le pot, lui. ジャイワールの魔物たちがいなくなっているのだ。ゆうべは確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。申し上げます。お前たち、この兄様はどうした。 一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃、城に残った兵だけでは防ぎきれず、王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。 Toutes les armées sont retournées contre la royaume. なんと、我々の国でも。バカな。全ての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。沈まれ。メス様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。
我ら双子の王のもとにな。C'est sérieux là ? Mais c'est pas possible ! What ? Il est gentil depuis le début, il est bien, il est top, il est exemplaire. C'est quoi le délire là ? Ouah le délire là. Ça par contre je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'il allait avoir une couille sur cette soirée, mais je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça, que ce serait le roi des sept royaumes qui veuille tout défoncer pour gouverner sur tout en fait. Ouais, le délire quoi. Bon bah maintenant, oh lui, il va falloir tous les défoncer pour pouvoir se barrer en gros. Putain. Mais là, va falloir que je fasse des dégâts de zone en masse. Ah putain, je suis endormi. Vite. Lui, je devrais pouvoir me le faire facilement. Vite, vite, il y en a un autre qui arrive. Ah, ils arrivent tous en fait. Ils veulent pas nous laisser. J'ai déjà ma magie qui est pleine. Ok, un de moins. Deux de moins même. Parfait. Hop, il y a une herbe aussi pour me soigner. Une autre médaille ici. Bon. Ah merde, je suis endormi encore. Ah ça c'est relou ce sort, je supporte pas les sorts où il me gèle, où il m'endorme. Squelette, et lui il va bien m'aider aussi. Si lui peut me lâcher une médaille, ce serait top aussi. Bingo. Comme ça, j'ai de l'aide pour battre le chevalier. Ah, il y a une autre médaille ici. Celui-là par contre, je peux le jouer normalement. Comme ça, ça va affaiblir un peu le chevalier, parce que ça, il est relou avec son bouclier, lui. Voilà, top. Il a perdu les deux tiers de sa vie, facile. Et si on utilise un peu de sort pour le défoncer. Ah putain, il est relou avec son bouclier. Et son bouclier ne le protège pas des sorts. C'est bon, là on l'achève. Ah putain, je suis endormi encore. Bon ça, il n'y a personne autour. Le chevalier, je sais pas si je le joue ou pas. Alors, il reste quoi? On va le voir tout de suite. Ouais, visiblement, je le joue. Ça, c'est fait. Ah ouais, il y a un portail qui a disparu visiblement. Je viens de tuer le gardien sans faire exprès. Il y a un autre portail là-bas. Faut que j'y aille rapidement en espérant que tous mes alliés me suivent. De toute façon, il y a les monstres qui se battent contre les autres monstres déjà. Hop là, il a failli m'endormir ce con. Du coup, il a endormi ses potes. Lui devrait être assez facile à battre.
Ah, il y en a encore d'autres qui sont apparus. Médaille ou pas? Pas de médaille. Hop, je vais mettre la map en plus grand. Donc portail ici. Aïe. Là j'ai ma barre de tension qui est pleine, donc si jamais il y a un gros carré, je vais pouvoir l'exterminer bien comme il faut. Alors, ouais, faut que je réduise cette armée là, c'est pas possible. Comme ça, on est débarrassé un petit peu. Moi, dans l'histoire, je gagne des momies à invoquer. Et des squelettes, des zombies même. Qu'est-ce qui se passe là? Encore un autre portail, non, ça cache un truc. Ah ouais, il y a des plus gros monstres qui arrivent déjà. Hein? Le vol des ténèbres. C'est quoi le délire? Insensible aux attaques le temps qu'ils sont noirs en fait. C'est quoi le délire là? Je fais quoi moi s'ils sont invincibles en gros? Ah ouais. Ok d'accord. What? Mais je dois faire quoi là? La meuf elle m'a dit de juste esquiver les attaques et de les bloquer mais... elle est marrante. Là-bas est-ce que il est sous le voile de protection aussi? Ouais, ça a l'air, hein. Oh, ils y sont tous. Tous mes monstres, ils se sont fait exterminer en 2 secondes, là. Ah, merde. Est-ce que... Je vais essayer une expérience avec le zombie. Est-ce que si, par exemple, je bloque un de ses coups, ça va le retirer à protection? Oh non, ça fait rien du tout. Ils sont en sécurité. On va pouvoir fuir là. Ah, ils sont tous morts les monstres, ça y est. Je vous en prie, fuyez. Il est déjà trop tard pour moi. Il veut que je fuie par où moi? Ok. Fuyez à Cordia. Ok, bon, ça devrait pas être une mission extrêmement difficile de fuir, hein. Ouais, il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'ennemis sur route. On peut lui parler à lui. Pas de réponse, n'est qu'un cadavre. Ça sert à rien de mettre une bulle de parole sur un cadavre. Ok, donc là... Ouais, mais je sors quand même les armes, donc... Oh, eux, ils vont exploser. Ils vont nous exploser à la gueule. Vite, j'attends qu'ils explosent. Bah ici, je suis pas touché par l'explosion. Si, je crois que si, vu comment ils insistent. Continue d'avancer. Et Mina est en train de crever. C'est pas du tout bon signe. Si j'ai plus Mina, j'ai plus de soins. Si j'ai plus de soins, je suis clairement dans la merde. Un autre soldat mort. Pas de réponse, n'est qu'un cadavre. Forcément, si je parle à tous les morts, je suis pas prêt d'arriver au bout. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, putain, il y a de l'huile qui nous ralentit, d'accord. Ah, s'ils font des sorts de feu là-dedans. Hop là, bien sûr, c'est bon. On parle à ce cadavre ou pas? C'est quoi ça? Ah bon, je peux pas le ramasser. Bon, bah ok, original. Pas de réponse, n'est qu'un cadavre. Putain, là, il y a cette huile de merde qui m'empêche de courir partout. Ah putain, non. Ah putain, je suis tombé en plein dedans, je voulais passer entre les deux. Bon, lui il est mort aussi, je reparle à tous, mais à mon avis ça sert à rien. Ah oh, putain, tout le monde est mort, toutes les armées sont mortes. En gros, il reste plus que les rois et nous. Ça va être bien sympa cette guerre. Là, on arrive clairement sur la fin du jeu en fait.
Bon, il se dépêche. Ah putain. Ah, ça, je perds pas trop de vie vu que j'ai pas mal de level d'avance, mais quand même. Continuer d'avancer, sans blague. Mina, putain, elle est presque morte, quoi. Elle a perdu masse de vie dans cet assaut. Après, elle a pas tellement le temps de soigner, là. Hein. Pourquoi il nous a aidé à empêcher la grande guerre si c'est pour au final la créer lui-même? Pour être sûr de pouvoir retirer les plus grandes forces de tous les royaumes? Sûrement. Ah ouais, c'est... Ou est-ce que quelqu'un a pris possession de lui? Mais je pense qu'il était pleinement conscient de ce qu'il faisait, quoi. Ah bah oui, ils viennent de taper une nuit blanche presque. Alors, donc on a un nouveau lieu qui est perdu au milieu de nulle part. Je ne sais pas du tout où on est. Alors, on va suivre les objectifs. Ok, donc il y a encore deux objectifs.
Ok. Ça se trouve, c'est simplement les ténèbres qui l'a fait se diviser. Alors, marchand d'armes. Est-ce qu'ils vendent des trucs intéressants? Pas particulièrement. Hop, des cartes peut-être pour Mina, ce serait pas mal. Je sais pas pourquoi je cherche comme ça, j'aurais dû aller direct dans les cartes. Bon, là, j'y suis. Plus 18, c'est déjà pas mal. Oui. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est de la défense. Où est le marchand d'armure? Lui, d'accord. Ça, c'est pour jouer en multi, la taverne. La prêtresse pour sauvegarder. Mais ils vendent pas d'armure, c'est quoi le délire? À moins que le magasin d'armes vende aussi les armures, du coup. J'ai pas fait gaffe. Non. Bon, je ne sais pas. Après, je n'ai pas, je suis pas dans l'urgence niveau armure non plus, mais ça aurait pu être intéressant de trouver ça. Alors, je vais faire une petite sauvegarde et on va continuer un petit peu, mais à mon avis, pas très longtemps, étant donné qu'on est déjà à 22 minutes de vidéo presque. Juste pour voir ce qu'il en est maintenant à l'extérieur, puis voir au moins où est-ce qu'on est. Ok, donc dès que je vais arriver à Dunis, du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo, étant donné qu'il y aura une zone de combat, donc une scène d'action juste après. J'attends juste la fin des dialogues, en fait. D'accord. Alors, où est-ce qu'on est? Terre brûlée. Où est-ce qu'on peut être dans les terres brûlées? Je ne me rappelle pas d'une zone que je n'avais pas découvert.
de prendre le chemin du sud par la frontière avec la forêt des madriers. Zone libre, les terres brûlées. Est-ce que du coup faudrait pas se téléporter là-bas? Ah, je sais pas trop. Déjà, on est où sur la carte exactement en fait? On arrive de là-bas, donc c'est une zone qui est en dehors de la map en fait, camp de repli. Ce qui nous permet d'explorer en fait une nouvelle zone. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais me téléporter directement à Dunis, voir ce qu'il en est. Voir par où il faudrait passer donc pour aller à la suite. Alors, tac tac. Ouais, donc faut passer par en haut et faire le tour. Quelqu'un est pris avec les mots. Je m'en fous de lui. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas le trophée. Bon, de toute façon, j'aurai d'autres occasions de défendre des survivants. Ça fait des points bleus sur la carte. On sait direct où ils sont. Donc, c'est assez pratique. Alors. Je sais. Ouais. Si je vais y aller quand même à pied avant de couper la vidéo. Si vous voulez passer ce passage, il n'y a pas de souci. Je comprends. Après. C'est vous qui voyez, mais c'est vrai que c'est un passage, du coup, il n'y aura pas énormément d'action. Je sais même pas si j'y ai accès quand même. Je pense que je n'ai jamais fait de vidéo sur cette partie de la map, donc ça vous permet quand même de la découvrir. Sauf que je ne sais pas comment y accéder non plus. Sachant qu'il est fermé à clé, que je ne sais toujours pas comment ouvrir les coffres verrouillés. Bah, j'irai bien par la suite. Je pense qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on pourra les ouvrir, pas avant. Sachant qu'il y a un trophée, donc il faut ouvrir tous les coffres. Hop là. C'est quoi cet endroit? Bon, je vais arrêter la vidéo là-dessus, les amis. Bon, ça a déclenché une cinématique, du coup. Bon, j'arrête la vidéo là-dessus, de toute façon. Je reprends direct ici, j'enchaîne la prochaine vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo et de l'avancement dans l'histoire, qui, je trouve, est plutôt épatant, plutôt bluffant, là. Je suis vraiment très surpris au sujet des rois jumeaux. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous désirez voir la suite. Donc, je vous dis merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde !